Minasan, konnichiwa. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un ancien jeu, sur un très bon jeu, ça. Ça peut encore, c'est du très très bon. C'est Mario Kart 64. Après avoir fait Super Smash Bros. Melee, eh ben, j'avais dit que je vous ferais la prochaine vidéo d'ancien jeu, ce serait celui-là. Eh ben, votre vœu est exaucé. Alors, à quoi on va jouer Le problème de ce jeu, c'est que voilà, quand j'étais plus jeune, c'est que moi, l'anglais, je le comprenais pas, quoi. Et ça, c'est le gros problème, c'est qu'il est en anglais, quoi. Donc, en fait, là, voilà, regardez, ça, c'est le gros problème, c'est que là, 8 personnages. Donc, ils sont pas au nombre impressionnant, mais voilà, quoi, à l'époque, c'était correct, là. C'est le premier Mario Kart qui est sorti en 3D, il est sorti en 1997, et on va prendre... j'ai aucune idée, là. Je pourrais prendre Wario et CP démoniaque, mais Boozer, là tu me poses une colle, là. Tu me poses une colle, et ben là on l'a pas fait. Alors il y a 4 grands prix. Voilà quoi, c'est un certain, ils ont été réadaptés dans les nouvelles versions de Mario Kart, et on a fait certains en vidéo, comme celui-là, l'autoroute à la con, la Toad, où je me suis mangé pas mal de saleté. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va commencer par le tout simple, tout simplement. Hein. La Moumou Farm, Koopa Troopa Beach, ok, Calimari, machin chose, ça, c'est du bon. Ça. Donc j'ai gagné ça en gold, oui, bah, ça fait des années que je l'ai gagné, ce truc-là. Et je ne me souviens plus comment on joue. Vous savez pas encore on appelle ça? On appelle ça un challenge. Donc il faut appuyer au bon moment pour avoir un départ canon, mais ça fait des années aussi que je m'en souviens plus. Ah, putain. C'est le gros problème, c'est que si vous avez eu une manette de 64 dans votre vie, vous savez quelle horreur c'est, quoi. Le truc est absolument pas ergonomique, quoi. Ah, putain. Le contrôle est un peu bizarre hein, quand vous passez de Mario Kart 8 à celui-là. Mais voilà, on va devoir s'y habituer. Hein. Donc et le bro là qui est tout seul là. Quand tu passes tout seul avec cette manette là. Oula, tiens, je suis. Enfin, c'est une furus ma gueule. Et bah voilà, on s'y fait quoi. Donc dans ce jeu là, c'est comme dans les anciens, on peut avoir un objet en réserve, et ça c'était, ça fait plus dans le nouveau quoi. Donc il y en a... La pauvre, ça fait la deuxième fois qu'elle se fait bouffer par qu'est-ce que tu fous, espèce de... Bon allez, on va utiliser le truc, de toute façon on s'en fout. Hein. Donc c'est un peu plus compliqué, hein, l'ordi a un peu plus, d'ailleurs ce que je vois, il a l'air d'être un peu plus... nerveux parce que dans le nouveau, bah comme on l'a vu, moi j'ai mis en comment appelle ça, en 150 en sens, c'était le même quoi, c'était pas génial. Là ça a l'air d'être un peu plus corsé quoi. On se rendait pas compte, mais là la maniabilité c'est pas du tout la même quoi. Et sur celui là tu sens vraiment que c'est plus compliqué de faire un dérapage et tout. Dernier tour, ok. Donc pour lancer vos objets, je crois que vous appuyez sur la touche Z qui est la touche derrière le pad quoi. Putain, vas-y, tourne. Voilà. Pas de carapace bleue, donc si vous êtes premier, bon voilà, on est premier, on va pas s'emmerder à faire des... Ah si. Donc les graphismes, moi, c'est correct, hein, c'est pas... C'est la 3D, de toute façon, c'est comme ça, le recul, c'est que c'est de l'époque, quoi, c'est sorti en 97, le jeu a presque, il a 18 ans, quoi. Et voilà, premier tranquille. Je suis Luigi, je suis le premier, ouais, bah, le problème c'est dans les jeux, le problème c'est que ton frère te vole, t'es juste derrière ton frère, un peu. Donc premier, puis après, évidemment, sur la prochaine vidéo, je crois que ce sera... On va pas faire le mode classique de Super Smash Bros. Melee tout de suite, on va faire faire un jeu qui tient à Dadin 21, puisqu'il m'avait dit qu'il avait très bien... Il avait joué pendant longtemps celui-là, on va faire Mario Kart Double Dash, qui est pour moi le meilleur. Ok, on est premier, et on continue. On est, je crois, de toute façon, les courses, elles prennent pas longtemps. Hein. Ah, quand même 5 minutes, hein. Donc je ne sais toujours pas faire, je me souviens plus comment on fait un dérapage, putain, quand j'étais plus jeune, je le savais, comment on fait?
Donc ce circuit a été repris depuis, je crois, dans le 8, celui-là. J'ai dû le faire peut-être une fois ou deux en vidéo, peut-être. Non, mais pourquoi tu tournes comme ça? Bon, venez là, au bout de là. Ah, j'ai réussi à toucher, tiens. En fait, le mieux pour bien réussir en ce jeu, c'est de pas faire de dérapage. Mais t'es obligé de faire des dérapages, hein. Ah, au fait, Mario, tu sais que je t'adore, hein, t'es mon frère préféré. Ok, d'accord. Ah bah, vous la mangez. Ah, je l'ai pas eu, je l'ai pas touché. Bah tiens, regarde. Voilà. Ça, c'était cadeau. Je sais pas ce que je viens de toucher. Qu'est-ce que je viens de toucher, là? C'est un champion doré, donc ça va... Regarde, j'ai l'impression que mon carte s'est arrêtée. Le pire, c'est que je cherche volontairement les ennuis, hein, parce que déjà, je peux passer à côté. Donc Mario, t'es gentil, mais non. On va finir deuxième, là, si ça continue. Quoi, ça fait... C'est vrai que ça fait des années que j'ai pas joué à ce jeu. Ouais, le gros problème de ce jeu, c'est ses dérapages, quoi. Surtout faire ça avec une manette de 64, et bah vas-y, accroche-toi, hein, tu veux t'accrocher. Ah oui, je suis désolé. Est-ce que j'ai le droit de tirer derrière? Non, celui-là je peux pas, celui-là. C'était peut-être pas plus mal, hein, parce qu'aujourd'hui, quand tu vas dans le mode en ligne, les mecs te tirent derrière, ils tirent derrière, ils te font pas chier. Hein. Allez, tiens. Et bon, on a réussi à être premier, mais je sais pas comment. C'est de la pure chance, sûrement. Ça correspond au mode normal, je crois, le... Ouais, c'est ça, 150. Alors, toujours, hein, les traînards, hein, les 4 derniers. On est à 8, hein. Alors que dans le nouveau, on peut aller jusqu'à 12, quoi. Donc on va à 16, on est... Ouais, j'allais dire 16, bah tu vois, je suis mauvais en maths. Non, 18. Pendant le nombre de fois où j'ai gaspillé, hein, j'avais pas de vie sociale sur ce jeu, quand même. Parce que je vais avoir 5, ouais, 6, 7 ans, quoi. Et le problème, c'est que, tu vois, j'étais tellement absorbé par le jeu qu'évidemment, quand je devais aller... Pour aller fuir, j'ai réussi à faire un dérapage, je sais pas comment. Un départ accéléré, il faut trop quoi. Donc je faisais un... Je laissais la console allumée, quoi. Parce que moi, j'étais premier, évidemment, et ça m'est arrivé plus d'une fois où j'étais sur le dernier niveau, le dernier truc, et je me disais, attends, va chier, attends, j'ai pas envie d'éteindre la console, hein. Joli, merci, hein, merci Peach. Donc normalement, s'il y a un truc, c'est que je peux passer par un circuit, un passage secret. Évidemment, si l'autre bougre de... Si le frangin m'avait pas poussé, là... Donc là, il n'a pas d'item, et on va se faire tirer dessus comme une pauvre jouvencelle. Et quand je me ferai tirer dessus... Non, mais... Pardon, c'est considéré comme prendre un coup dès que... Ça t'arrête dès... Je sais pas, dans les niveaux, normalement, c'est pas comme ça. Et évidemment, je l'ai vu venir, celle-ci, je me suis dit, hein. Je peux avoir un item, ce serait déjà un miracle. Bon là, regarde là-dessus, je vais m'énerver, là. Eh, putain, la maniabilité, elle est que... Ah, c'est vrai que c'est un peu catastrophique quand tu passes de nouveau aux anciens. Bon, allez, hop. Bon, on se fait pas chier, là. Pardon ? Mais normalement, dans les nouveaux, je peux faire ça. Mais roule. Ah oui, c'est clairement, mais c'est une difficulté de ouf, là, quand même. Attends, dans les premiers, tu réussis, tu fais en sang, tu mets la main dans le slip, là. Tu réussis tranquille et tout, et là, t'as intérêt à faire gaffe, hein. Ah, là. Alors, faut dire aussi que la bande-son musicale est bon, mais les voix, elles étaient pas mal du tout, quoi. Pas d'item, ok, et mur dans la tête. Putain, pourvu. Eh, j'arrive 4. En plus, l'ordinateur, c'est un vicieux, quoi. C'est un gros vicieux, quand tu te dis, tiens, regarde, je veux. Non.
Alors ça, c'est un truc que tout le monde ne sait pas forcément aussi, c'est que pour annuler, vous êtes passé sur une banane, et ben très simple, pour l'annuler, et ben vous freinez. Quand vous allez très vite, ça vous fait... Ça... La maniabilité est assez spéciale quand tu passes une... Allez, je suis passé premier, donc là, Mario, votre frangin, il va... Ah, quoique, il y a la place, non. Oh, oui. Non, Mario, va-t'en. Non. Oh, non, deuxième. Et j'avais des triples rouges. J'ai galéré sur ce niveau. J'ai vraiment galéré, quoi. Non, mais, je crois que, de toute façon, il en reste plus qu'un... Plus qu'un seul un seul niveau. Je suis encore premier, quoi. Ça va, quoi. Mais j'ai pas intérêt à faire deux fois le con, quoi. Parce que l'ordi, là, sur, je le trouve bien plus nerveux, quoi. Même en 150, quand tu joues à Mario Kart 8, tu le limite, l'ordi, tu le traces, quoi. C'est fini, quoi. Et là, bah là, ensemble, ça te montre tout de suite la couleur, quoi. Et évidemment, je pouvais pas refaire deux fois le même exploit, c'est-à-dire faire un dérapage, un super dérapage, un super accélération. En fait, le mieux pour faire, faut pas faire dérapage, c'est ça le problème, quoi. Ça, malheureusement, ça... Ah, le nombre de fois où l'ordinateur s'est vautré galéré. Ah non, il va le faire. Okay, il faut exprès de me contredire, hein, c'est ça, Ligo. Comme dans les films d'action. Oh, joli. En fait, on va pas faire, on va arrêter les dérapages parce que je crois que c'est ça qui pue, quoi. Ce niveau-là, il a été repris dans la version 3DS. Et après, je crois qu'on va faire, quand on va faire Mario Kart Double Dash, bah, ça va être sympa parce que pour moi, c'était quasi, c'est pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, si tu refais Mario Kart et tu lui mets un mode online, tu le retravailles avec de nouveaux graphismes, franchement, il est largement meilleur que le 8, quoi. Le 8 est très bien, je dis pas qu'il est trop mauvais, mais le double dash était vraiment génial, cette idée de pouvoir avoir un coéquipier comme ça. Tiens, c'est sur ça, c'est pour toutes les fois où tu m'as niqué, là. T'as pas voulu que j'apparaisse dans tes jeux vidéo, regarde. Ah, ça fait plaisir de faire des vidéos sur des vieux jeux qui sont très sympathiques. Peut-être aussi qu'on fera des jeux sur les vidéos sur des jeux qui étaient horribles, quoi. Que c'est, tu dois bien avoir ça dans le coin, là. Ou ceux qui m'ont fait bien rager, là. En fait, je voudrais comprendre mon truc, c'est comment elle peut aller plus vite que moi. Ah, voilà, ça, le bout, lui, vous permet de... Je me souviens, ça, je m'en souviens. Il te permet de voler un objet d'un de tes adversaires. C'est pas mal, hein. C'est, quand tu te... Moi, ça m'est souvent... Ça m'est arrivé... C'était rare, mais ça m'est arrivé qu'ils volaient les étoiles des autres quand t'es premier, c'est génial, quoi. L'ordi veut ta mort, là. L'ordi, il vit super bien, quoi. Ah, j'ai réussi à avoir Peach, hein, c'est... Mais ça a été la victime durant ce truc-là. Non, mais pourquoi la maniabilité? Donc ça, c'est un gros problème, c'est que si tu passes de nouvelles versions comme ça, tu vas sentir la maniabilité, tu vas la sentir. Hein. Tu vas te dire, waouh, tu ne te plains plus jamais des nouveaux, quoi. Ouais, on l'a fini. Eh ben, ça m'aura fait plaisir, hein. On va se quitter là-dessus. Voilà. Ah, j'aurais pas été excellent sur le troisième, j'aurais été à chier. Mais j'arrêterai de me plaindre sur le 8, avec ce Samuel Ability. Voilà, cette vidéo va s'achever. Donc je crois qu'il va nous rester la vidéo, l'intro quand tu gagnes les trophées, là. De 40, ok. Donc je crois qu'elle va faire longtemps, elle va pas être longue, cette vidéo, ouais, 14 minutes, ouais, c'est la vidéo, c'est la durée normale, moyenne d'un Mario Kart, quoi. 33 points, j'aurais pu aller jusqu'à... Bah je sais plus, en fait. Il suffit d'aller tuer 3 fois, 9 fois 4, j'aurais pu aller très loin. Jusque t'as 38, mais malheureusement... Et puis c'est pas 38, bah je suis mauvais en maths, hein, je l'avoue. Ah ça c'était la... ça c'est le château, en fait c'est la map, la première map de Mario 64, quoi. C'est ultra connu, ça. Donc là je sais plus, je crois qu'il va y avoir un poisson qui va te remettre...
qui va se remettre la coupe. Oui, un poisson, oui. Bah, c'est logique. Ou je sais plus si c'est dans celui-là ou pas. Donc là, moi, c'est le premier Mario Kart auquel j'ai commencé, quoi. Et je me souviens d'avoir bien, bien rincé celui-là aussi, le week-end où je l'avais acheté. Ouais, ça, je me souvenais, c'était un poisson. C'est logique, hein. Non, mais dans ce niveau, bah, y a pas de, dans ce jeu, pas de perso à débloquer. Ça viendra dans les autres. Mais c'était pas un problème parce qu'il était très bon. Et ben voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis merci de l'avoir visionné, de la partager si cela, si ça vous plaît. Merci. Ouais. Tu as été premier pour une fois dans ta vie. Non, je déconne. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une autre vidéo sur un ancien jeu, sur des jeux rétro. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt. Et ciao les amis.